Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler équipement cavalerie, les meilleurs sets pour tous les niveaux, du débutant au méga kraken, tous les niveaux de sets avant que ce soit patché, avant qu'il y ait de l'ajout. Mais bien évidemment avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, surtout, pour ne rien rater durant l'été, pendant que vous chillez sur la plage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Vous aurez toutes les dernières infos, les dernières screens et bien plus encore, les amis, sur le Discord. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez à droite sur l'overlay. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous rejoindre, les amis. On va parler donc cavalerie, 7 de cavalerie, vraiment, il y a de quoi faire, 5 niveaux de 7 en fonction de votre profil de joueur. Si vous êtes un pur free player ou si vous êtes une méga baleine ou du moins un bon gros middle spender suffit pour aller sur les 7 les plus hauts. Vous allez le voir, on va tout voir. Alors déjà, au niveau des commandants, vous le savez, la cavalerie, c'est assez simple en fait. Hein. La cavalerie, il faut absolument posséder Xian Yu et Nevsky. Hein. C'est les deux meilleurs. Alors où tu es petit Nevsky, j'ai dû le passer. Voilà, c'est les deux meilleurs en cavalerie. Il n'y a pas photo. Si vous êtes en KVK saison 1 ou 2, vous n'avez pas Xian Yu et Nevsky. Vous pouvez vous rabattre sur Saladin qui reste très solide également. Mais Xian Yu, Nevsky, c'est du très très lourd. Parlons donc 7. Comment on équipe nos commandants, que ce soit des commandants épiques. En commandant épique, en duo équipe, un Pélage, Bébar, ça fait le job, ça marche pas mal, même si bien évidemment c'est bien en dessous des commandants légendaires. Mais si vous débutez, vous n'avez pas encore les légendaires. Du coup, au niveau des 7, par quoi commence-t-on? Alors on va voir, comme je vous l'ai dit, 5 niveaux de 7, encore une fois. Hein. Ces 7 ont été faits et fournis par un streamer qui a arrêté le jeu, mais qui est très connu et très technique. Hein. Wick Gaming, hein, je vous invite à voir ce qu'il avait fait sur sa page. C'est vraiment du très très lourd et on peut se fier à ses conseils. Regardez donc le premier set. Alors je vous le mets en bas à droite, hein, en petit, comme ça on va le voir ensemble. Et on va comparer et récapituler après chaque bonus de chaque pièce de set. On commence donc classiquement. Ce set-là, c'est vraiment le set du débutant. Tous vos commandants en cavalerie que vous utilisez doivent au minimum, pour les commandants premiers, bien évidemment, parce que les équipements ne s'appliquent que sur les commandants premiers, doivent au minimum avoir 7 équipements. C'est vraiment la base. Au niveau du casque, alors une petite particularité, hein, le casque, ah bah voyez, je vous en forge un pour vous montrer. Je ne sais pas ce que je voulais cliquer, mais c'est pas grave. Hein. Au niveau du casque, hein, voyez, je peux tout de suite le re-raffiner et enfin, le démonter. Et comme ça, c'est réglé. Voilà, je le démonte et je récupère tout. Pas vu, pas pris. Au niveau du casque, donc on commence par ce casque-là. Et ce que je voulais cliquer, c'était le parchemin. Attention, ce casque de guerre, hein, est accessible, si je dis pas de bêtises, une fois que vous êtes en KVK saison 4. Donc pas avant. Avant, il faut se rabattre sur d'autres casques. Mais celui-là, dès que vous pouvez l'avoir, il est vraiment bien. Vous allez le voir, hein, on va le garder très longtemps. Avant, vous avez bien évidemment d'autres casques pour la cavalerie. Vous avez le casque de guerre battu par le vent qui fait le job. Mais là, le casque de guerre d'expédition, c'est une très belle pièce qui a été rajoutée, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an dans le jeu. Elle est très très bien. Défense de cavalerie, plus 6%. Je vous le rappelle. La santé est supérieure à la défense. La défense est supérieure à l'attaque. Donc la défense, c'est au milieu, c'est pas mal du tout. Évidemment, vous le voyez, hein, il est indiqué qu'il est critiqué. C'est un casque facile à faire. Vous voyez, moi, je peux en faire 28 et bien plus encore, hein, parce qu'après, j'ai 515 comme de choix. Donc je peux en faire facile une trentaine ou une quarantaine, même bien plus de 50. Il faut vraiment, vraiment le critique. Sinon, il n'a pas d'intérêt ou vous le raffinez, hein, pour le monter. Donc première pièce, pourcentage 6% sur la défense. On passe donc à présent au plastron. Le plastron, deuxième set, pièce de ce set. Le plastron battu par le vent, très solide. On va aller chercher le bonus, hein, 2 éléments plus 2%, 4 éléments plus en attaque, 4 éléments plus 4% en vitesse de marche. Défense de l'infanterie, encore une fois, plus 4,5%. Vous le voyez, il faut le critique. Toutes les pièces, de toute façon, que je vous montre sur ce premier set, pas d'excuses, elles doivent être critiques. Hein.
Ensuite, on passe aux gants, sans surprise. Les gants, on prend les gants battus par le vent également. Donc, on a deux pièces d'ensemble. On a en plus le bonus de 2% d'attaque. Très facile à faire, on la critique. Au niveau des jambières, eh bien là, on va sur les jambières de l'avant-garde. Pourquoi les jambières de l'avant-garde ? Parce qu'elles font le job, hein. Elles sont très bien. Et deux éléments, on prend à plus 2% aussi d'attaque de cavalerie. Mais là, pour le coup, on n'en aura qu'un. Au niveau des bottes, pas de surprise. Et d'ailleurs, les jambières, je ne vous ai pas dit, mais c'est l'attaque de la cavalerie. Plus 4%. Au niveau des bottes, on part sur les bottes battues par le vent. Plus 2,5% en santé de cavalerie. Encore une fois, on critique, hein, ça fait qu'on va avoir un bonus de 30% grâce aux critiques. Ça va faire qu'on va être à 3,5%. Et on finit par une petite arme qui est très bien, l'hallebarde de l'avant-garde. Donc qui nous fait deuxième pièce de 7 avec les jambières. Et donc c'est là qu'on va chercher le deuxième bonus de 2% en attaque. Il est frais quand même. Et donc on a la critique, hein, et on a là à nouveau une défense de cavalerie plus 5 avec le critique, hein, on monte à 6,5% s'ils ne font pas l'arrondi à 7, mais à mon avis ils ne font pas l'arrondi. Quand on cumule tout ça, en prenant en considération les critiques bien évidemment, on a une cavalerie attaque de 9,5%, une cavalerie défense de 20,5%, la santé plus 14%, les bonus liés au 7, 2% en cavalerie attaque, 2% en troupe attaque, on a les deux bonus qui sont différents, hein. Attaque de cavalerie, regardez, pour l'hallebarde de l'avant-garde, hein, le bonus c'est attaque de la cavalerie plus 2%, alors que tac, je repars sur le plastron, au niveau du plastron, c'est attaque de troupe, hein, plus 2%, donc c'est pour ça, c'est deux bonus différents, c'est bien à noter, hein. Donc plus 2 pour l'attaque des cavaleries, plus 2 pour l'attaque de troupes, toutes réunies, hein, mais en général c'est de la cavalerie, donc ça vous ferait un plus 4 sur la cavalerie. Et le march speed, vous avez plus 12%. Un premier set, pas mal, vraiment un minimum. On passe donc à présent au deuxième set. Le deuxième set, il n'est pas compliqué non plus à faire. Regardez-le, ce set. On a conservé le casque, donc je ne vous en parle pas. On a conservé les bottes aussi également. Évidemment, on les conserve en critique. En revanche, on change tout le reste. Au niveau du plastron, on part sur la bénédiction du Seigneur des Ténèbres. Plus 8% en défense de cavalerie. C'est très solide, hein. On n'avait que plus 4,5% en défense de l'infanterie. Là, on passe à plus 8%. Évidemment, on essaye de critique, hein. Vous avez vu, moi, je l'ai deux fois en critique. Faut le critique, sinon, c'est pas si intéressant que ça par rapport au plastron d'avant qui est critique, qui nous donne un bonus de un peu plus de 6%. Sur les gants, on part évidemment sur des nouveaux gants et on part sur les souffrances 17. Alors, les souffrances 17, vous pouvez le récupérer, si je ne dis pas de bêtises, hein, dans le shop du Canyon Perdu en KVK. On peut l'acheter, ces gants, normalement, avec la brutalité 17, avec celui-là de 7, mais ce n'est pas le même, c'est pour l'infanterie. Donc, attaque de cavalerie, plus 3%. On le critique, du coup, on monte à plus 4%. Les jambières, on change, évidemment. Alors, c'est le premier item que je vous invite à changer, hein, là, dans tous, c'est les jambières. On part sur gladiateur parce que santé, plus 8%. Là, ça envoie du lourd, hein. On passe de attaque plus 4 à santé plus 8%. Ultra lourd, on critique aussi. Et on finit avec, comme arme, on change l'arme. On avait l'hallebarde de l'avant-garde. Eh bien, on va prendre le cœur saint, défense plus 13. On passe quand même d'un défense plus 5. Avec le bonus, ça vous fait défense plus 6,5. On passe à cœur saint, défense plus 13. Celle-là, elle est énorme, cette arme. Vous allez le voir, tout comme le casque, on va pouvoir la garder un certain nombre de sets. Et là, le cumul. On était avant sur le premier set, hein, à 9% d'attaque de cavalerie. On chute à 4%. En revanche, on était à 20,5% sur la défense. On passe à 36%. Et la défense est supérieure à l'attaque, hein, donc on perd 5 en attaque, mais on gagne 15,5 en défense, c'est très intéressant. Et on passe de 14 en santé pour 100 à 18%, on gagne 4. Et les extra stats, troupes, marche speed de 4%. Donc là, c'est moins bien. Mais de façon générale, on augmente largement la santé et très largement la défense. Donc vraiment, ça vaut le coup de passer sur ce set-là. Troisième set, et là, on commence à être des profils. Jusqu'à présent, c'était accessible à tout le monde. On commence à être sur des profils de 7 un petit peu plus balèze, et c'est le troisième set, il en restera deux encore après.
Regardez bien ce set. On conserve le casque, on conserve les jambières, on conserve les gants, on conserve l'arme, le bâton. On change uniquement le plastron et les bottes. Et regardez, ils ne sont pas critiques, hein, le plastron et les bottes. Ça vaut le coup de changer même s'ils ne sont pas critiques. Sur le plastron, on passe sur l'armure lourde du désert infernal. Il est énorme ce plastron. Santé de cavalerie plus 11. Ça fait mal. On était à défense de cavalerie plus 8. On passe à santé plus 11. Là, franchement, c'est du très très lourd. Moi, c'est ce que j'ai sur mon Xian Yu. Ce petit plastron, il est très solide. J'aimerais le critique, mais je ne l'ai pas encore critique et je n'ai pas de quoi le raffiner, donc pour le moment je le garde comme ça. Vous comprenez vite qu'on va exploser tout en santé grâce à ce plastron. Et pareil pour les bottes, pour ce premier set, elles ne sont pas encore critiques, ces bottes, les bottes du désert infernal. Donc on a le plastron, tac, que je remets lourd du désert infernal, et les bottes du désert infernal. Donc on a le petit bonus de santé des troupes plus 3%, ça fait plaisir. Santé de cavalerie plus 7,5. On était à santé de cavalerie 2,5. On passe à santé de cavalerie 7,5. Très lourd, même en critique, l'autre ne fait pas mieux. Et donc, au total, on passe. Donc, la cavalerie attaque, ça bouge pas. On est toujours à 4% par rapport à l'ancien 7, celui juste avant, celui de niveau 2. Sur ce niveau 3. Cavalerie défense, on passe de 36%. On chute de 10,5. On tombe à 25,5. Mais en santé de cavalerie, on augmente, on passe de 18 à 36. Donc on augmente de 18. Donc l'un dans l'autre, hein, on est largement gagnant. On perd 10 en défense, mais on gagne 18 en santé. Donc la 18 et que la santé, ça éclate la défense. Et on a une extra stat de santé de 3%. Donc franchement, on éclate tout avec ce set. Visez ce set si vous n'êtes pas un joueur à la grosse CB, celui-là, et sur la cavalerie. Le premier niveau vraiment difficile et un peu long, vous devez essayer de monter. On va passer au quatrième set et l'avant-dernier set. Bon, là, ça commence à être plus tendu à crafter, comme vous le voyez tout de suite. Hein. On a pris l'ancien set, on a changé les jambières, le casque et les gants. Et d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise sur le gant. Non, on avait bien conservé les gants, j'ai cru. Donc, on a changé cette fois les jambières, le casque et les gants. Et on arrive sur du très très lourd. Et vous le voyez, hein, à ce stade-là, à part l'arme, rien n'est critique en légendaire. Parce que critique les légendaires, ça commence à payer. Au niveau du casque, très simple, on part sur la fierté du Khan. Alors, la fierté du Khan, c'est pour moi ce qui se fait de mieux. Vous le voyez, plus 15% en santé. On a de l'autre côté un plus 11% en défense, hein, le casque de guerre du désert infernal. Mais il est moins bien, même avec le bonus de 7. Franchement, c'est moins bien. La fierté de 4, c'est le top. Moi, c'est ce que j'ai et j'ai la chance de l'avoir critique. Donc, je l'ai sur mon Xian Yu en critique. Donc, j'ai 15% plus 30%. Hein. Du coup, je me retrouve avec 19,5%, autant dire 20%, ça fait très mal en défense. Vraiment top ce casque, une pièce en or, une pièce légendaire qui vaut vraiment l'investissement. On change également les gants et on part sur les contrôles de Navarre. Et là, les contrôles de Navarre, il y en a d'autres, hein, des gants sur la cavalerie. Il y a le brassard du désert infernal, mais je le trouve moins bien, même pour le bonus de 4 pièces, c'est de la contre-attaque ou de la de bonus de défense de cavalerie, 6 pièces, mais 6 pièces, c'est trop pénalisant. Contrôle de Navarre, il va nous donner santé plus 8%, et encore là, c'est non critique. Ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Et on finit avec les jambières. Les jambières, elles envoient du très, très lourd. Santé de cavalerie. Alors là, c'est énorme. Santé de cavalerie. Plus 12%. Là, ça rigole pas. Je vous le rappelle, on était sur un santé plus 8. On passe sur un santé plus 12. Alors, à noter, cette pièce-là est la dernière que vous pouvez faire dans ce set-là. Puisque vous avez Gladiateur si vous l'avez critique. Si vous avez critique Gladiateur, vous avez 8% plus 30%. 30%, ça va vous amener à 10,5% de santé en bonus. Les Cendres de l'Aube non critique vous amènent à 12%. Bon, c'est un petit peu mieux, mais vous pouvez finir par cette pièce-là. Un set ultra intéressant, vraiment, il va nous donner, il n'y a plus de bonus d'attaque, 0%. En revanche, en défense, on est à 32,5%. Et en santé, on est à 41,5%. De pourcentage avec un extra stat de 3% santé. Franchement, c'est le top du top du top pour vous donner
L'ordre du cumul, les deux, on est à des avantages de presque 60, même plus de 75% en bonus sur la défense et la santé. Franchement, c'est très lourd, mais vous allez le voir, on peut mieux faire. Mais là, pour mieux faire, on rentre dans l'exception. On rentre dans l'exceptionnel sur ce dernier set. Regardez, déjà, toutes les pièces sont critiques. Donc, ça donne un gros avantage quand je vais, vous voyez les stats. Hein, je vais vous les redire si vous n'arrivez pas à lire. Les stats sur toutes les pièces critiques, il y a des gros avantages. Et surtout, regardez, on a changé l'arme. Elle est magnifique. Territoire sacré, plus 25% en attaque de cavalerie. Une fois que vous l'aurez critiqué, cette pièce, vous allez être à pratiquement plus 33% d'attaque. Franchement, c'est tout bonnement énormissime. Vraiment, il fait très très plaisir cette arme. Elle coûte très cher à crafter au niveau de l'origine. C'est dans la boutique de Saison de Conquête. Alors oui, il y a d'autres armes hein, pour la cavalerie. Vous avez l'attaque de la cavalerie et plus 20% avec le fusil du désert infernal. Ouais, mais c'est quand même moins intéressant que cette arme, le territoire sacré, qui est tout bonnement énorme. Écoutez cette stat là, c'est vraiment c'est ouf, hein, je l'ai dit, ça me brûle les yeux. Cavalerie attaque plus 32% et demi. Aucun set présenté ne monte aussi haut dans ce que je vous ai montré en cavalerie. 32% attaque. Cavalerie défense plus 20%. C'est pas le plus haut, c'est même le plus bas en cavalerie défense. Mais attention, pourquoi on est qu'à 20%? On se rattrape sur la santé. Santé plus 54%. Alors là, on éclate tout, de chez tout. Franchement, vraiment, extrêmement impressionnant cette dernier set. Évidemment, ces stats-là, c'est en fonction des critiques. Il faut avoir critique, il faut raffiner si jamais ce n'est pas, si jamais vous n'avez pas critique. Donc ça va vous coûter très très cher. Et deuxième petite attention, certaines de ces pièces-là, comme vous l'avez vu, ne s'obtiennent, ouh, difficile à dire, ne s'obtiennent pas facilement. Elles sont dans le store du magasin d'Alliance et donc ça va vous coûter des pièces de conquête hein, pour les acheter et pour avoir des coins de conquête. Il y a un certain nombre d'étapes, on peut en avoir qu'un certain nombre par KVK. Il va falloir atteindre des seuils et que votre KVK, votre groupe soit victorieux, que vous ayez la ziggourat, etc., etc. Donc des équipements durs à avoir, encore plus durs à critiquer, sauf si vous avez la chance dès le premier de le critiquer. Pour vous donner un exemple, moi sur la cavalerie, où je joue pas mal la cavalerie avec Xianyu, hein, j'ai pas le meilleur des sets. Vous le voyez, celui-là, il propose. Je pourrais tenter de le raffiner, mais ça coûte trop cher. Alors, franchement, j'ai pas envie de lâcher. Et vous le voyez, j'ai pas encore le set parfait. Je n'ai pas encore pu crafter les bottes. La prochaine pièce que je ferai, ce sera les bottes, bien évidemment. Mais j'ai le contrôle de Navarre. J'ai l'armure lourde du désert infernal comme conseiller. J'ai les cendres de l'aube. J'ai la fierté de Khan qui, elle, est critique. Mais j'ai toujours le cœur saint. Donc, en termes de niveau, je ne suis pas encore au quatrième et avant-dernier niveau. Dès que j'aurai les bottes, je serai au quatrième et avant-dernier niveau. Pourquoi je ne les ai pas encore craftées? Eh bien, tout simplement parce que je ne peux pas. Regardez, si je vous montre les bottes, tac, et que je vais là-dessus, je n'ai pas de quoi crafter les bottes du désert infernal. J'en ai 12, 15. Il manque 3 fragments. Et dès que je les aurai, puisque si vous n'avez pas vu, j'ai 12 fragments du désert infernal. 15 de fragments de choix, je ferai les bottes et je vais être très très bien, j'aurai d'autres bonus et en plus j'aurai le casque en critique, donc je serai juste au-dessus du set de niveau 4. Je suis pas encore au 4 mais automatiquement je vais passer juste au-dessus grâce justement à la fierté de Khan que j'ai critique. Et regardez, hein, il arrondit pas, hein, 15% plus 4,5, vraiment ça fait plaisir, c'est très bien et puis en plus j'ai mis le statut iconique et comme je les critique, je prends pas un plus 3, je prends un plus 4 en défense. Là, franchement, je suis au max avec ce casque. Hein. Vraiment, je suis content de l'avoir critique. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ce guide équipement et set tout niveau de cavalerie. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, pourquoi n'êtes-vous pas encore abonné à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.